Ah. Bonsoir Twitch, bonsoir ton tube. Bonsoir ton tube. Nous sommes en live, bien sûr, qui a été organisé au préalable. Que dalle! Ça a été lancé Genre, à la zone comme ça! c'était prévu, c'est sûr. Je vérifie sur mon agenda, il y a marqué c'est prévu. C'est prévu, mais en Certains fait, disent même c'était c'était sûr en prévu! fait. C'était sûr en fait, un mercredi matin, j'espère qu'il y aura du monde! Aucune chance. Mais alors? Aucune. J'ai l'impression qu'il manque des connes. Voilà, mon mur qui est tout seul. Il manquait mon mur. Ah, mon beau mur. Il va falloir Oh, je vais peut-être peut-être te générer un ramener peu une de torche points. par là. Ah, il nous en manque Je vais une. même ramener mon beau mur bien au milieu de l'effectif. Il fait un peu noir quand même, hein. Je sais pas ce qui se Ça passe. va. J'ai l'impression que Zinlen se trouve très loin de mon mur. C'est peut-être. Peut-être je me trompe, t'as vu. Hop, Ah ouais. Edena, il est pas à côté de Totorus. Ah bah Inverser si. Tirailleuse et Dénal, peut-être. Ah putain, t'as bougé Totorus. Ok. Oui. Oui, bah j'ai mis mon mur le plus possible au milieu, quoi. Pour faire le plus de points. Ah, vas-y. Alors, non. Ce que j'aurais aimé. Est-ce que j'ai. Oui, c'est bon, j'ai le lieutenant Will. Parce qu'on n'a pas beaucoup de points, figure-toi. Moi peut-être j'allais juste. ramener un gros par là. Une Ouais. torche par ici. Compact! Ah, Formation. on se met. Non? Mais t'as vu, on peut faire des trucs plus compacts maintenant. Oh ouais. Hein? Os de Bard, pourquoi il a voyagé là-bas? De J'ai barbe, je déplacé sais Os pas. de Bard sans faire exprès? Ouais, Merde. ça semble utile. Ouais. À moins que Ok. tu veuilles garder Os de Bard. Non, non, non. De toute façon, il faut diviser un peu les troupes là. 6 de chaque Bah, côté, ça me paraît pas ramène mal. peut-être Mélanine. C'est vrai que c'est elle qui se déplace le moins. Après, Sophia, elle a pas trop de soucis. Si elle a du monde sur la route, en tout cas. Ouais. On va se faire agresser, mais je propose en premier lieu d'utiliser notre dernier point pour faire un Ouais. ordre tactique sur le capitaine. Je plus sois, je plus sois. Vous plus soyez? Je plus sois. C'est excellent ça. Il fait du plusisme. Totorus, on s'en fout s'il génère plus. Ah si, il risque de se faire brouiller pas mal aux clauses. Oui, mais sinon j'ai pas tirailleuse. Ah. Le dilemme est sensible. Ah ouais, non, mais là j'ai plus Zinlen, là, c'est pas possible. Ok. Ok, on va le faire comme ça. Voilà. Vous êtes ordonné. Bien que moi je vous trouve très bordélique. C'est une illusion d'optique. Voilà. C'était Tu une veux blague jouer de sur les. lieutenant. Tu Je suis veux jouer meilleur sur ami les avec règles. Taurus, nous sommes solides. Addy Snake. Dans ta gueule, direct. Aïe. Ça Bah, ça pique tombe bien, l'eau. c'est le moment où il faut jouer un capitaine. Ouais, parfait. Est-ce que c'est pas parfait? Est-ce que c'est pas perfecto? Parfait. Allez, génère-moi Il un est peu de pas points, s'il te ultra plaît. ami avec qui? Bah tiens, avec Tirailleuse Sénégalaise. Je crois que t'as généré un peu de points. J'ai pas fait gaffe, mais ça doit être pas mal. Ah oui, c'est tout de suite un crit. Bah oui. Dans le cul, Lulu! Faut vraiment qu'on trouve de. Une épée mieux que ça. Oh la vache. Ah, Quand fort tu vas confort, j'ai à un changer moment d'épée. donné, hein. Ouais, quand tu vas changer d'épée, mais tu vas te faire tellement Je vous ai plaisir. trouvé un rat. Et pourtant, c'est une épée niveau 3, hein. Enfin, 3 étoiles. Je crois qu'il a brûlé. Ce rat. Je pourrais bien appliquer l'affaiblissement en plus parce que je crois que ça va être lui le prochain rat à jouer. Genre, juste pour vérifier. Tu joues quand, toi, Non. le rat? Ah, il joue pas tout de suite, hein. Non, non, il joue Oh, il pas est tout de temps de lui suite. péter sa gueule à celui-là. Bah tiens. Un os de barde qui a un rat sur le coin du cul. Du cul. Certes, mais s'il y a toi des choses intéressantes que tu souhaites faire, y a pas d'urgence, hein, c'est une armure lourde, je rappelle, Os de Bard. Hein. Os de Bard et Mavig, elles peuvent encaisser, c'est des armures lourdes. Hein. Je mettrais bien, je jouerais bien Zinlane en venant le coller ici. Ou alors tu peux jouer un Taurus pour donner la brutalité à tout le monde. Ah, c'est vrai que je peux faire ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que je peux complètement faire ça. C'est quoi, je vais me décaler là. Comme ça. J'ai la petite Mélanine qui est toute seule là-bas. Coucou.
Je peux aller me promener pour te révéler des gens aussi. On va pas y avoir grand monde par ici, hein. Et je me suis un peu paumé ouais. Tout seul au milieu de nulle part. Ah, je pense qu'il doit y avoir du monde de côté de mon mur. Pas qu'impression comme ça. Oh, il y a l'air d'y avoir du monde aussi du côté de chez Osdebard. Oh, c'est parfait. Ne touchez à rien. Là, il y en a deux. Vous pouvez m'en laisser trois, quatre, comme ça. Bah, ça me va. Hein. Ça me perturbe pas. Tu veux que je joue? Bah, Zinlen, au moins, mets-le en pause. Parce qu'à mon avis, si tu viens te coller à mon mur, tu vas décrocher d'autres mecs. Hein. Ouais, il y a des chances. Ouais. On rappelle son taux de critique. Bah attends, je vais regarder pendant que tu joues, c'est très important, je pense que les gens veulent voir ton taux de critique de 5,4%, c'est dommage. Par contre c'est marrant, on voit pas la virgule. Un petit peu étonnant. Alors sache que t'as été très avantagé par YouTube, parce que du coup, ils n'ont pas pu voir, l'échec critique que t'as fait. C'est bien, on peut tirer à travers mon mur, hein, ça fait plaisir. Ouais. Il a inspiré mon mur. Ma vie, il gagne l'inspiration aussi lorsque c'est vous qui le butez, c'est marrant ça. Ouais, bah parce qu'il a été désengagé. En fait, c'est quand tu te désengages. Bah oui, je suis con. C'est pas quand tu tues. Suis-je bête. Ah, Sophia qui est engagée. Est-ce que Stevie ne le tuera pas? T'as un os de barde, qui peut jouer, voyons. Non mais je parlais pour dégager Sophia. Sophia elle a une course, y a pas de souci. D'accord. J'ai os de barde qui peut tabasser des trucs. Oui mais bon, il y a pas beaucoup de trucs sur lui, y en a que deux. Hein. C'est vrai. Tu veux que je joue Sophia? Ouais, parce qu'en fait, ce qui serait bien avec Sophia, je pense, ouais. C'est que pour le coup, justement, tu tues ce connard là, tu fais ce que t'as à faire, et tu puisses mettre l'ordre, entre autres, au moins sur Osdebard, Stevie, hein, je sais pas si tu peux passer par là, et que tu puisses aller te mettre entre les deux ou quelque chose comme ça. Et puis, comme ça, moi, ouais. Je pourrais te soigner avec Stevie, hein. J'adore le nombre de critiques que je mets. Tiens, je mets des critiques quand il faut tuer en fait. Ouais, quand il reste un point de vie, c'est les petits critiques à la Darkest Dungeon, une spécialité de la ouais. Maison. Ouais, tu veux Stevie? Ouais, je peux faire ça, regarde. Stevie Host de Bard. Je peux faire ça en me mettant là. Oh, bah parfait ça. Tu peux même avoir ma vigue, non? Ouais, impeccable. Et comme ça, moi, en étant en position, on peut te soigner, nous. D'ailleurs, je peux utiliser un sang pour remettre un coup de couteau. Quoi? Arrête! Tiens, je vais mettre. Peut-être pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire, mais c'était juste pour dire. Moi, je dis que t'étais bien là où t'étais, mais ok. Non, c'est pour coller Stevie, je suis pas meilleur ami avec. Ah, ok. Moi, je vais prendre Stevie en. Je vais donc te soigner tout de suite. Ouais. Je vais venir faire un câlin du côté de Osdebard, très probablement. Mm-hmm. Je vais amocher celui-là. T'aurais dû désengager Osdebard pour qu'il puisse se replacer. Oui, bah je vais le bouger. Ouais, parce que lui, il a peut-être moyen d'avoir les trois là. C'est ça. Mais t'as pas le truc qui repousse avec Stevie. Stevie. Non, je l'ai pas. Par contre, j'ai un autre cadeau qui peut faire chier tout le monde. ça fait chier. Là. Ça de mémoire, ça casse bien mais les trucs. Je crois que t'as la course. Il s'est passé quoi là? Ok. Oui, j'ai la course avec. Mais en fait, grâce au couteau que t'as mis dans l'autre, je suis même pas obligé d'utiliser une course. Hein. Je peux juste utiliser une exécution sommaire sur le mob. Hein. Ah non. Ah non, je ne peux pas. Il faut que j'utilise un coup de pied. Bon, c'était un coup de pied officiellement. C'est juste qu'il a des grandes jambes. Et là, je peux utiliser un coup sommaire sur ce connard. Et bah, du coup, ça sert plus grand chose que je fasse beaucoup de trucs, mais. Mais je le fais. On est apparemment, on est motivé. Hein. 10% de dégâts supplémentaires. Voilà. Ça. C'est normal, Osdebard, il a joué. Il arrive, là. Tu vois, il se met derrière le sbire, là. Tu te rends compte que Osdebard est plus utile maintenant? Mais oui, mais parce qu'il a retrouvé ses 3 attaques, c'est normal. Ouais, il a retrouvé ses. Parce que 50% de dégâts supplémentaires, c'est bien quand t'as une arme qui est shit. Mais à partir du moment que ton attaque, elle est plus shit, bah, il vaut mieux que t'aies 3 attaques. Comme ça, t'as 300% de dégâts. Oui. C'est
ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Dommage, il n'y en avait pas trois. Ouais. Il n'y en avait pas d'autres dans la zone. Bah ouais, mais ils étaient pas assez solides les autres. Je vais m'en mettre là comme ça. Hop, il y a du soutien de meilleurs amis, il y a tout ce qui va bien. Les meilleurs amis. Ah, une flèche qui est partie là. Ouais, ah, j'ai entendu ça au loin. On n'a pas vu les dégâts, dommage. Moi je les ai vus, ce critique. Elle est pas très forte, ma Fifi, mais. Ouh, c'est bien, ma fille. C'est super bien, ma Fifi. Je suis fier de toi. Et tu vas te mettre là parce que, pareil, t'es un turbo poids lourd. J'ai pas le soin pour aider notre lieutenant. C'est pas grave. Pourquoi elle s'en va, elle? Parce qu'elle vient de rompre notre formation qui était incroyable. Putain. Quelle indignité. Cours, Forest. Ah, recolle-toi quelqu'un, tu rentres de pas. Ouais, même pas une course. La course était pas valide. On va savoir pourquoi. Oh, t'as réussi à l'aveugler. Je sais pas comment. Attends, mais avec ton miroir en éteint. Ah oui, dans le noir obscur. Oui, mais parce que je suis sous l'effet de torche. Papa, papa, papa. Ouais. Et ça, ouais. Et ouais. Comme quoi, cet objet est incroyable. Il reste des gens qui doivent jouer. Oui, mais Mélanine, non? Oui, Mélanine, qui est loin. Il reste plus que Mélanine. Il y a peut-être encore des rapports là, mais... Aïe. Peut-être pas une bonne idée. C'est une excellente idée, regarde. Il y en a un qui se fait très plaisir. Ah bah... Bah ouais, viens tuer mon rat, avec Mélanine. Ah oui, non, vas-y, non, t'as raison. Vas-y, tue ce machin. Alors, il faut que tu tues ce machin. Non, vas-y, tue ce machin. Après, tu mobilettes le rat suivant. Et... Des souhaits. Pardon. Personne ne survivra. Molester ce rat. Je le tue trop vite. Attends. C'est pas grave, bah, tue-le. Faut que je fasse ça. Ensuite, tu cours voir le dernier ratope. C'est pour ça que je... Voilà. J'ai inspiré notre capitaine. C'est ma tournée de réparation. On a plus beaucoup. Eh, mais par contre, c'est bien, hein, les crocs, ça nous en... Oh là. Ouais. Moi, je veux juste un cadavre pour le fun. Voilà. Longtemps qu'on s'est pas amusé avec un petit cadavre. Ah, wow. On a fait un petit repos, somme toute, des plus sympathiques. J'ai rêvé qu'on avait tabassé des rats. Effectivement. Pourquoi le... Non, ça, c'est le pilori. Moi, ce que je veux, c'est... Ah, voilà, le pic. Voilà. Ajoutera 2 de répute après chaque repos. Sophia. Est-ce que j'ai encore une torche? Il va falloir qu'on refasse des torches. On est en galère de chutor? Ouais. Il va me falloir du bois. Et du tissu. Mon mur encore, sa torche. On est en... Autorus aussi. Ma vigue aussi. Non merde, c'est de la graisse qu'il me faut. J'ai une torche si tu veux. Non, t'inquiète. Bon, au pire, tu sais, hein, si j'ai plus de torches... J'en fais pas des masses, hein, j'en fais juste ça. Torches, il y a des gens qui vont se prendre des coups de bouclier, quoi, c'est la seule chose qui va changer, quoi. Ouais, d'ailleurs, je pense que tu vas avoir un as de barre qui va vite retourner à la masse à une main. J'ai une intuition comme ça. Moi, je pense que tu mens. Pourquoi, quand on aura débloqué la masse à une main légendaire, là? Ouais. Oh, mais attends! J'ai du rat! Ouais, j'ai un cuisinier. T'as du ragoût. Exactement. C'est du rat qui a bon goût, ça, je reconnais ça. Attends, tu m'avais dit qu'on avait pas beaucoup de. Ah, mais on a de tissu. Tu te fous de moi?
Bah, je sais pas, je viens d'en quand j'en ai mis, il restait 6 ou 7, c'est toi qu'on a remis une chier, mais Ouais, j'en ai remis une chier. Ouais, bah oui, mais moi je voyais pas que t'en avais une chier sur toi, monsieur. D'ailleurs, avant que tu nous suces tout le bois, parce que j'aime bien le bonheur, moi, je vais reprendre un bout de bois. Tiens, au fait, Hop là. Tac, tac, tac. Attends, j'ai récupéré des champottes. Ils sont où les champottes? Est-ce que je fais du ragoût? Vas-y, en faisant. Je. Bah, en fait, si j'attends encore un peu avec du sel, du machin, etc., je pourrais en faire plusieurs d'un coup. Et Ouais, mais j'en aurais pas plusieurs des sels. Ok. Parce que bon, si ça se combat en intérieur, machin, blabla, tout ça, alors quelque part on est en intérieur. Mais vu qu'on les voit pas, on s'en fout de combattre avec surprise, quoi. Ils sont avantagés quand même. Donc je préfère attendre pour essayer d'en faire des tops, tu vois, des tops. Ok, parce que j'ai que deux sels. T'en as déjà fait un au moins ou pas? Zéro. Oui, j'en ai déjà fait. Oui, j'en ai déjà créé. Rappelle-toi justement quand on se battait en intérieur. C'est vrai. Voilà. Donc, il y a quoi de bon à looter ici? On est où? On va quoi? On fait quoi? Là, c'est rebrousser chemin. Là, c'est emprunté. Mais pourquoi c'est en blanc et pas en rouge? Des dents claquent dans le noir. On nous attaque. Youpi! Encore des trucs moches. Ouais. Ah bah c'est du sale monstre trésor, hein. C'est du classico. Hein. Voilà, oui, carrément. Alors excusez-moi ton tube, pourrait... je me remets une rallonge de Kawa. Hein. On pourrait tous se mettre en bas en vrai. On pourrait tous se regrouper si on le souhaite, en effet. Alors, par contre, ce qu'il faudrait, voilà, mettre plus Taurus par là, comme c'est, il aurait une chance d'avoir tout le monde. Stevie, en... Bienvenue, Stevie, en salut. Mélanite devrait être à la place d'Edenal, puisqu'elle n'a pas de torche qui puisse éclairer les côtés. Yeah. À mon beau mur, on va le mettre en centre. Os de barde, on s'en fout, c'est un gros. C'est un gros naviguer sur l'extrémité, c'est pas mal, c'est pas mal. Mon mur est là, Taurus est là, ok. Les plus grosses armures sont positionnées comme il se doit. Sauf si tu préfères inverser, ce qui est pas improbable de devoir inverser éventuellement Mélanine ou Mavig pour des questions d'armure. Non, pour la seule chose que je voudrais que tu fasses, voilà, à la limite, on la met là, hein. Comme ça, on est bien éclairé, hein. Tac, 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 tac. Non, non, je suis en train de placer 2-3 petits trucs. Tu peux reculer Stevie et décaler ma vigue ici, à la place de Stevie, si tu veux. Tu t'es replacé où? Regarde, il y a une place de libre. Pour rapprocher, pour être sûr que t'es replacé. Tu t'es replacé où, toi? C'est Noé... Bah, entre Zinlen et Ostebard. Il y avait de la place. Ah! Ok. Bah dans ce cas-là, je t'invite plutôt bah Mélanie, même si elle a pas elle a la torche, de la mettre justement sur cette position-là. Ou alors, faudrait que j'y mette mon mur. Parce que ça a l'air d'être un joli spot à point quand même. Hein. Oui, c'est vrai, tu peux mettre Et tu peux déplacer dans ces cas-là Mélanine justement sur le trou de lumière qu'on n'a pas. Ouais. Hop là, voilà. Moi, je vais redéplacer, hop. Parce que ça a l'air d'être le coin de carte plutôt par là, donc il y a moins de chances qu'il y ait de monde. Et puis au pire, bah voilà, il y a Stevie qui a un petit peu d'armure qui peut encaisser. Zinlen est très loin. Où est Zinlen? J'ai tirailleuse à côté de moi. Où est Zinlen? Oui, bah maintenant. Trouvez-moi Zinlen tout de suite. Maintenant que t'as bougé mon mur, il vit. Hein. Voilà, c'est bon, j'ai un Edenal. Tirailleuse sénégalaise, est-ce qu'elle a qui elle veut? Parce que personne ne l'aime officiellement, je crois, à part les lieutenants. Enfin, t'as lieutenant. Et on est bon, je crois. Et on est bon. On est bon, on est pas mal, hein. Ça donne combien? 4 points si j'utilise mon ordre maintenant, je crois que c'est ce qu'il faut, non? Bah, c'est ce qui manque en fait. Et on a 5 points à dépenser. Je suis pas pote avec qui? Bon, je suis le capitaine, je suis un peu pote avec tout le monde, mais je crois que je suis pas meilleur ami avec Edenal. Et tous les archers aiment bien être meilleur ami avec le capitaine, c'est évident. Mobilette! Sans chaussettes! Trouvé! Bande de putes. Allez, va le tabasser lui, dans la bouche. Alors. On va faire une petite rentrée en bouche avec un coup de torche. Connard. Ensuite, un petit coup de latte traditionnel dans la bite. Connard.
Ensuite, coup de boule pivot rotatif latéral gauche. Coup de lame septentrional. Décalé Wada par ici. Into. Et... par là, histoire qu'on voit tes copains. Coucou, tu veux voir ma bite? Salope. Oh là, attends, ah ouais, on les voyait tous. Ouais, faut que tu te décales. Voilà, on les voit tous. Et j'embrouille celui-là. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je peux jouer un Zinlane là après? Moi, je pense qu'il faut jouer un Zinlane après, même d'ailleurs. Ouais. Je vais me faire un petit. Bah, alors, je vais avoir un petit peu d'aggro sur le capitaine, j'ai l'impression. Ouais. Bon, de la gifle qu'il a mangé. Je pense que tu peux avancer encore, hein. j'avancerai un lieutenant. Là, ils vont tous tenter de bouger, il faudrait que tu les aies dans ton angle. Hein. Bah là j'ai tout. T'as les 1, 2, 3, 4, 5 ? Je suis un connard. Quoi ? Regarde qui j'ai joué. Edenal. Ouais. Et ben... Bah tant pis, bah joue Edenal. Hein. Lui a déjà joué, toi t'as pas joué. Toi t'as joué, c'est pas la peine. Celui qui est le proche de toi n'a pas encore joué. Oui, il ne jouera jamais. Et quoi ? Et il ne jouera jamais. Oh, pas dans ce monde-là en tout cas. Hein. Ah, et la 9 s'est fait agresser. Bon, cette fois, je joue une lane correctement. Allez-y, impressionnez-nous. Je peux pas me coller au lieutenant. Non, mais c'est pas grave. Place-toi, et moi, je viendrai caler mon lieutenant par rapport à toi, après. Putain, cet arc a des dégâts nuls quand il est pas en critique, hein. Bah oui, l'objectif c'est de faire des crits avec, hein. Une chance sur deux, on rappelle. Hein. Plus d'une chance sur deux, c'est le pire. Bonjour. Mobilette une fois. Vous prendrez bien un petit coup de couteau. Voilà, excusez-moi, hein. je voulais pas vous déranger. Et je viens me caler par ici. Alors je pourrais poser une zone, mais ça nous cramerait notre dernier point. Et j'ai pas envie. Ok. Parce que j'ai assez d'armure pour encaisser s'il y a besoin. Par contre, en critique, c'est intéressant. Mais en critique, ça devient intéressant, étrangement. Alors, prochain... Tu peux jouer un Taurus, si tu veux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça serait bien, à un moment donné, que je joue Taurus. Alors, je pense que le pack de gauche qui est en train de laminer les gens, ils ont peut-être pas besoin du boost de points. Par contre, non, on a une série de couteliers par ici qui ont l'air de s'emmerder comme je sais pas quoi. Ouais. Alors, je pense que le petit boost là-dedans, là... Oh, je me suis bien placé, je sais pas avec qui. Oh, tirailleuse. Je suis pas sûr que c'est ma meilleure amie, tirailleuse. Non. Non, tirailleuse, non. Allez, tirailleuse. Ouais. Tirailleuse, elle a que 6. Ouais, ma grande. Bisous, bisous, ma grande. Six, avec ma vie, c'est la dernière en date, hein. Je me préplace un peu loin. Et je suis glorieux, je donne des points comme ça. Hein. Il régale. Hein. Il régale comme s'il était chef. Est-ce que tu veux un ordre sur tes meurtriers, assassins et autres saloperies? Parce que là, je peux aller mettre un ordre sur tes petits sbires, là. Ouais, si tu veux, vas-y. Parce que je pense qu'à un moment donné, ils vont peut-être tuer des gens. Bon, je sais que tu préfères jouer toujours la même, mais... Non, la mélanine elle. Non, mélanine, hein. faudrait juste que je la restate. J'ai rien augmenté sur elle. Comment je te l'ai poussé la grosse là? Ouais, tu veux pas le finir? Avec ton courroux. J'oublie tout le temps que j'ai un peu avec. Ouah, le centre, ça y est, il commence à faire des dégâts. Bah maintenant qu'il a une arme, ouais. Il a une hallebarde le machin. Ah oui, mais c'est vrai que je vois rien moi là-dedans. Donc je vais rester collé à toi. Générer je vais rester collé serré vraiment contre le mur et je vais placer une zone comme ça.
Et t'as bouffé notre dernier. Mais putain, il a réussi à se mettre dans l'entre-caillou, ce fils de pute. Ah, par contre, l'autre il a mangé. L'autre il a payé. L'autre il a payé direct. Y'a un rat à tuer si jamais ça intéresse quelqu'un. Mais étant donné qu'il a joué, ça m'intéresse moyen. Oui, tout à fait. Tu vois la logique. Oui, complètement. Mais ça sert à rien, tu peux pas te mettre. Tu t'exposes beaucoup trop, hein. Non, j'ai une course après, t'inquiète. Sinon, on a vu où était l'autre connard. Ouais. Et je vais reviendre à la course. Pas worth d'utiliser les deux derniers points. Enfin, sur une frénésie, il est pas engagé, donc... Bâtard. Celui-là, j'avais pas vu. J'ai une tirailleuse qui peut jouer. Oh oui. Alors, j'aime pas forcément que... Ah non, on va d'abord taper celui-là. Hein. Faut que tu pousses le rat qui est en contact avec ta fifi. Hein. Ouais, je sais. J'ai une chance de le buter. Vas-y, hein. Vas-y, hein, ça fera 2 points si tu le butes. Hein. Non. Pitoyable. Oh, ma vie qui se fait engager. Eh ben. Moi j'ai joué tous mes gars. Sauf un. Bah ma vigue. Sauf deux. Et The Bard. Oui c'est ça. Mais je suis très triste. Bon. Ouais. Ma vigue, faut vraiment qu'on la fasse monter de niveau aussi. Hein. Elle a une arme niveau 7. Ah elle a quand même une arme niveau 7. Hein. Oui mais c'est ce qu'elle a une arme trouvée niveau 7 quoi. C'est genre... Une arme de Jean-Michel Random avec une armure de Random et encore elle a son petit point de force. Elle bricole hein, elle bricole ce qu'elle peut bricoler mais le truc c'est qu'elle a 29 de force, en fait elle a 49 de constite. Ah elle est full constite ouais d'accord. Elle est très constite et volonté hein, 17 de volonté la bestiole hein. Oh ça vaut pas une mélanine hein, c'est bon. Comment ça Elle a 22 de volonté. Oui voilà mais ce que je veux dire c'est que pour, je rappelle que pour des bonhommes qui commencent à 10 ou à 9 je sais plus, c'est pas mal. C'est ça. C'est ça. J'ai envie de mettre un coup de torche, mais je lui ferai rien, donc... Non... Bon, bah moi, j'ai plus torche, qu'un gros... Moi, bon, si tu veux Tu veux pas le tuer avec Sophia, ton machin, là? Ouais, voilà. Tu veux pas aller tuer l'autre aussi avec ta Sophia, là? Oh, mince, je n'ai plus de déplacement. Il semblerait que j'ai retrouvé du déplacement. Ça me ferait consommer des points là si je sais. Ouais, non, mais... C'est pas nécessaire. Si, on tue, je génère 2 points. Ah non, pas toi. Oui, sauf que c'est des points temporaires, pas définitifs. Et qu'on vient de faire notre pot. Du coup, c'est un peu chiant. Bah, c'est pas grave, on a un capitaine qui est trop fort. Je vais me mettre à côté d'elle parce qu'elle a tendance à aller chercher la grouelle. Oh, voilà. Et là, c'est le moment où Oswald de Bard il se demande qu'est-ce qu'il fout de ce côté de la planète. Mais putain, mobilette. Ouais, on est meilleurs potes. Attends, mais je crois que t'aimais que les vaches. Ça veut dire quoi ça? T'es qu'une grosse vache, en fait. Non, t'es un motoculteur. Voilà. Ah, et je t'avais prévenu que tu prenais trop de risques avec ta coutelière. Hein. Ah ouais, j'ai du ou machin, pâte à couffin, j'ai des chips au fromage, bah oui. Je crois qu'on vient d'en buter un, mais je sais pas où. Bah, c'est Zinlen, il a buté un truc. Ouais. Étonnant. Là, regarde si, dans le cadre, là, tout droit au bout, il y a un rat, il y a un cadavre de rat. Ah ouais, il y a un rat. Ouais. Est-ce que tu me permets de débloquer un peu Mélanine? Non. Okay. Non, parce que c'est le prochain à jouer, il est sur le capitaine, donc tu vas être mignon, je vais tuer ce mec qui est sur le capitaine quand même. Vas-y. Je vais libérer notre capitaine en chef. Voilà. Là, par contre, les monstres ils veulent pas tomber. Hein. C'est. Coup de latte. Après, t'as juste à te déplacer hein, si tu veux. Normalement, il le tue, hein, Zinlen. Normalement. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que normalement, quoi. Faut compter sur la fiabilité de Zinlen, quoi. Bon. Bah là. T'as encore une attaque là? Toujours des attaques. Je suis capitaine, gamin. Voilà. Ça, c'est mes techniques.
Sans prendre une pour en mettre une. Exactement. C'est de la bonne technique de bourrin ou bien? Volontairement sans prendre une pour en mettre une. Et je vais me mettre là, comme ça t'auras le boost du meilleur ami. J'aurais peut-être dû me mettre devant toi, ceci dit. Un jour, tu feras des dégâts. Par contre, casse-toi derrière ton lieutenant préféré tout de suite, quoi. Non, ah, pas si loin, pas si loin. T'as pas une course là? On a deux points, donc cale-toi derrière le lieutenant, vraiment. Calé, monsieur. Bon, ça va, ils ont l'air d'être tous. Je suis tellement mis au bon endroit. Avec mon capitaine qui mange toutes les gifles du monde dans sa gueule. Attends, est-ce qu'il y a un os de Bard qui a une coup... Oh, il y a un os de Bard qui peut faire un truc en venant se mettre là, hein. Moi, je dis ça... Boum. Camion. Oh, je peux pas me mettre là, y a pas la place. Y a pas la place. En même temps, t'as fait la course directe. Mais je pensais que c'est parce que j'avais pas assez de mouvement, pas parce qu'il y avait une armée de connards au milieu. Putain. Ici. Ouais, c'est bon, j'en ai deux. Oh, ouais. Ça va mieux! Ah, du sang, des tripes et des larmes! Leur sang, leur tripes et leurs larmes. Oh putain, je leur ai fait manger leur merde! Ça va mieux. Ce capitaine n'a absolument aucun problème, je vois pas où est le problème. Il nous reste un rat. Non, mais attends! Mais putain, il est con. T'es con. On utilisera un remède. Mais on pouvait tenter de te heal. On avait deux points pour te heal. Ah, c'est pas fini, il y a un rat qu'on ne voit pas. C'est pas fini. Ah oui, il y a un rat qu'on ne voit pas. Tenter de te heal. Qu'est-ce qu'on a? Taurus n'a pas de heal. Tyrius vient de faire. Alors de préférence, faut éviter de jouer justement des connards comme ça qui ne servent à rien. Merci. Vas-y. Ah, je ne sers à rien, je vois pas les Oui, mais non, mais tu sers vraiment à rien, c'est-à-dire que tu régénères pas de points comme Edenal. Tu ne régénères pas de points comme les lanciers, donc tu sers à rien pour le coup. Tu sers vraiment à rien là, à part avoir bouffé un point, c'est tout ce que t'as servi. C'était un point temporaire, ça va. Donc là, je peux te soigner moi. Voilà. Et rester statique. Trouver des officiers avec des lances ou des machins, ou Edenal. Edenal ne peut pas soigner des gens. Est-ce que Edenal peut passer son tour? Merci. Faudrait me battre toi. Comme ça on a deux points. Je peux ramener un lancier qui est loin. Je peux courir pour le ramener collé à Watt. Voilà, puis en plus t'es bien protégé comme il faut. Et te soigner. Et on n'a pas rongé notre réserve de points. Et on est bien. Et j'ai régénéré un point. Là on a un rat qui apparaît. Et maintenant tu peux utiliser quelqu'un pour me buter ce rat si tu veux. En te collant à tout le monde en plus si tu veux, hein, vraiment. Tu peux faire ton petit massacre collé à tous là. Et on n'a pas réussi à te ramener à la moitié de ta vie. Bon. Ce qui est dommage. Dommage. Comme le fromage. Hop. 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 Ouais. Hop, t'as tout réparé. Félicitations. Ah, une tombe qu'on peut casser. Mais il y a aussi un logo sur le mur à inspecter avec un mur. Vous avez découvert la rue de ville. Ville. Ça ressemble vachement à une ville tout ça. Bah oui, là. Regarde. C'est sur le mur. Ah ouais. De la bâtisseuse, de la méga cité 1. Est-ce qu'il y brisé un truc... Alors couille. On va récupérer un peu de grès là. Y'a quelqu'un qui voulait des cailloux là? Moi j'ai vu un caillou, je tape dessus. Par contre tape pas sur le plafond hein. C'est un caillou aussi. C'est quoi, c'est un caillou le plafond? Non, c'est du bois, j'ai rien dit. Inspecter. Non, à toi. Hop, les deux cailloux qui brillaient. Y'a pas un logo sur un mur là? Mais attends, faut que j'envoie. Non, y a pas de logo sur mur. Je vais replacer dans l'inventaire central des choses qui pourraient t'intéresser, genre du grès si jamais t'as besoin. Ah, des champignons, merci. Des quenottes. Ah oui, des tissus, on est remonté un peu. Mais on n'est pas si large que ça en tissu quand même. Hein. 49, c'est une armure. Hein. T'en ouais, fais pas deux. Hein. Non, quand même pas 49. Si. Tu fais... On a 49 de tissus. On va falloir rebrousser le chemin. Une seule armure, parce que genre ça prend 30 ou 36 de tissus, une armure légère.
Haut de cam. Non mais attends, d'abord juste au camp Wuchang, parce que je voudrais voir en termes de... Oh. En termes de torches, qu'on en est où. T'as toujours ta torche, toi? T'as toujours ta torche. Ma digue, c'est ok. Le capitaine. Le capitaine, c'est ok. On est bon. Je vais se prendre tes codecs, je vais répartir tout de suite les viandes à recycler. Bah, un... oh là. Hop, là, c'est pas ce que je voulais faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reste 4. 4 qui vont sur lui. 1, 2, 3, 4. On va pouvoir en faire des ragoûts. Hein. On va manger du ragoût pendant longtemps, les gars. J'annonce. Et t'as tes 10 degrés, donc si jamais il y a quelque chose que tu voulais craft. On n'a pas le point pour le moment. Ah, tu t'avais pas la coupe. Ok. On n'a pas la connaissance encore. Ok, ça marche. Yes! Bah c'est, j'ai gagné un point de connaissance. Bah voilà. Donc du coup tu peux aller chercher ton machin avec ton gris là. Ouais, le feu de camp. Ah, on va passer en tier 3. Ça. Le feu de camp. Ce qui va nous donner. Qui va nous donner beaucoup de choses. Alors actuellement notre feu de camp nous génère un point de bonheur pour chaque compagnon assigné, plus un de bonheur si un compagnon est affilié. Il améliore le bonus lié au bonheur et il améliore, on peut brûler du bois pour obtenir le repos. Maintenant ce qu'il va faire, il va générer toujours un point par compagnon assigné, deux points si au moins un compagnon est affilié, améliore grandement les bonus liés au bonheur et on peut toujours brûler du bois pour obtenir du bonheur. Vas-y, régale, régale. Ouais, ouais, attends, je prends les trucs. Do it, fago de bois. Exactement. Ce dont on a besoin pour allumer le feu, d'ailleurs. Ouais. Et... améliorer... le seuil de bonheur pour qu'un compagnon quitte le groupe est de moins 10 maintenant. Quand le bonheur est supérieur à 7, le maximum de bravoure est augmenté de 2. Et on gagne un point d'influence supplémentaire pour chaque point de bonheur excédentaire à 15. Oh, il est méga stylé par contre. Ouais, il va tellement bien avec le décor, c'est impressionnant. Je t'ai dit qu'il était goldé. Oh, il était... Oh, mais il a l'air parfait, quoi. Et en plus, ce qui est trop bien, là, c'est de brûler un bout de bois. Parce que quand tu brûles un bout de bois, non seulement t'obtiens un charbon, mais en fait, ce que te dit pas le feu de camp, c'est que tu génères aussi un bonheur supplémentaire. Il te le dit pas, le jeu. Si, mais si, tu génères si, un si. Bonheur. Bah, sur le... Si, si. La... Regarde, il y a écrit « Bonus, vous pouvez brûler du bois pour obtenir du charbon pendant un repos. » Mais ça te dit pas que ça te génère un bonheur supplémentaire parce que tu brûles du bois. Bah, à la fin, en fait, c'est parce que le feu est entretenu, ça te le dit. Bah, c'est pas écrit, moi, je le vois pas. Alors, quand tu le... On va... Quand on fera un repos, tu verras. Oh, attention. Ah oui, à la... Non, mais à la toute fin, mais ce que je veux dire, c'est... En soi, le feu de camp, là, quand moi, je mets ma souris dessus... Ah oui, le feu de camp... C'est juste dit que tu peux brûler du bois pour obtenir du charbon pendant un repos, mais en plus de ça, ça génère un bonheur. C'est pour ça que je le fais tout le temps. C'est pas tellement parce qu'on a besoin de beaucoup de charbon, hein. C'est pas pour ça que je le fais. Je le fais surtout... ah oui, d'ailleurs, j'ai encore deux charbons à foutre là-dedans. C'est pas trop pour la quantité de charbon looté, hein, j'ai envie de te dire. Oh, bah on va ranger du rat là-haut d'ailleurs. Parce que le rat, à mon avis, on va garder ça longtemps. C'est pas ce combien le rat ? 0,5, ça va, c'est pas non plus. C'est pas non plus la fin du monde. Bref. Attends. Il y a un truc qui va pas. Voilà, c'est bon. Alors. Bon, bah, il y a plus qu'une voie à aller voir. Ouais. Tout à fait. Allez, let's go. Quand t'as plus qu'un endroit à aller explorer, hein. Alors, il y a un vase. Avec du loot. Je te conseille de looter. Je prends le loot. Il y a un type par terre qui fait une sieste. Et ben... Ça se mange pas, os de barde. Ou de la clé. Ah, la clé. La torche. Sablier du professeur. C'est une babiole qui se vend. Je te laisse prendre la torche. Oh, j'en ai encore. Ouais, si tu veux. Bon, j'en ai deux en réserve. Ah, t'en as deux en réserve. Oui, moi je m'en sers pas des torches, hein. Je tape pas avec. Je tape assez peu avec, j'ai tapé sur un combat avec, c'est tout. Moi ce qui me dérange là, c'est que je vois pas d'autres symboles. Là, je crois que j'ai vu un symbole. Ah, oui, exact. Il est là.
Tu as tout à fait raison. C'est donc un triangle Et... bleu. Vous me permettez que je note vite fait? Il était où mon papier de notes? C'est lequel? Mon dieu! Il a des papiers de notes! Jure. Faut vraiment que je dégrossisse un jour. Hein. Ça va me prendre un de ces quatre, hein, comme d'habitude, mais j'aurai trop de merdier. Hop là! T'es bon! Get noted! Eh ben, allons. En avant, Guingamp? Avancez précautieusement. Oui, on va avancer. Oui, on s'en fout, on a des torches, hein. On a des torches. Vas-y. Votre troupe va traverser sans encombre. Yeah! Alors attends, je vais checker les torches de mon crew. Ah, mon beau mur. C'est bon? En fait, je sais pas ce qui. Ça consomme de la torche sur qui, de quoi, de Hooks? De tout le monde en fait. En haut, regarde. Moi je suis à 4 sur 5, ça ne consomme rien, tu vois, j'ai l'impression. Moi ça okay, on va avoir un élément ici, rebrousser chemin par attends, là. Attends. Regarde le milieu, on ah ouais, est non, mais on est d'accord, bon allez, on la connaît, un saut, un puits, vas-y, envoie. Oh. Allez, un saut sur le rebord du puits, difficile de savoir ce qu'il contient. Tu veux pas que je le fasse, je suis censé être plus agile. Ah. Moi je pense qu'il faut juste l'envoyer avec plus de force. Hein. Vas-y, je t'en prie. Bah, Sophia. Sophia qui a le plus de texte. Hein. À peine votre compagnon a-t-il effleuré le saut que celui-ci dégringole dans le puits. Le vacarme de sa chute fait trembler tout le tombeau. Des tambours résonnent. Ils arrivent. Du fond du puits, une ombre émerge. On vous attaque. Non, mais on peut pas juste. On a deux lanciers à coup de hallebarde, les laisser tomber. Sérieusement. Le problème, c'est qu'on a deux lanciers, dont un qui est, pas encore très très efficace jusqu'à qu'il passe son niveau. Parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est que les combats sont pas très difficiles, ça nous permet de gratter beaucoup beaucoup d'XP. Alors, trois groupes, c'est trop, moi. Je pense que trois groupes, c'est trop. Vous c'est un peu trop, ouais. On a un Taurus d'un côté et mon mur qui sont du même côté. Celle-là. Ah bah on est en bord de map. Ici. On est en bord de map ici. Ah, j'aime beaucoup l'idée. Avec un os de barde qui tank sur un côté, c'est parfait. Ouais. À mon beau mur, je vais le mettre devant Mélanine. Vas-y. Je vais pousser Edenal pour répartir les torches sur les côtés. Je vais même pousser encore plus loin Edenal. Il faut que tu inverses Edenal et Zinlen, idéalement. Merde, c'était Tyrius ça. Où est Zinlen? Tu peux toujours aller cacher Tyrius si tu veux derrière mon mur et Stubbard. Si tu veux protéger un peu plus Mélanine. Sophia, je la trouve très exposée. Zinlen, attends, il est très loin. Attends, pas du tout le bon endroit. Attends. Ou alors tu ramènes moult torches vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en sors plus? Allô? Si, je m'en sors, voilà. Sophia qui va aller un peu explorer. Zinlen n'est pas au bon endroit. Taurus, je le mettrai là. Attends, Zinlen, il faut qu'il soit ici. Hein? Voilà. Oui, par exemple. Du coup, Edenal n'est pas au bon endroit. Oui, je sais. J'ai la pression. Deux secondes. Avance J'ai pas Taurus. Envie de mettre Taurus ici. Bon, si, vas-y. Ok, Edenal est là. Tyrus, c'est bon, Mélanine ici. Qu'est-ce qu'il nous reste là-haut? Je peux ramener Os de Bard et laisser ma vie en bas, mais on va perdre une torche. Peut-être te laisser deux torches là-haut. Ouais, là, plutôt comme ça, avec un, deux lanciers. Ou est-ce que tu veux cacher une torche? Voilà. Tac, on se fait un dernier carré là. Voilà. Le plus bel effet. Mais je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, moi je trouve ça swag. Et ce qui est dommage. Je pense que je vais inverser Sophia et Mélanine. Pour au moins donner l'ordre à mon mur. On a un point qu'on peut utiliser. Il y a Zinlen. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Alors, attends. Ah, c'est dommage. Sophia va pas être utile ce tour-ci. Mais au moins, allez, ici. Oh, elle est la meilleure armée avec un cheval. As-tu vu? Avec l'ours du groupe. Ouais, j'ai vu. Et je vais aller me planquer un peu là derrière, ça sert à rien que je fasse autre chose. Comme ça t'as peut-être potentiellement une meilleure zone ici avec
en venant te caler là avec mon mur. Bah non. Dommage. Je te laisse jouer. Qui que tu veux que je joue, moi? Bah mon mur, par exemple. Mais pour quoi faire? Pour te désengager et venir ici, potentiellement générer 8 points. Parce que tu vas avoir l'inspiration si tu le butes. Donc, bah, le problème, c'est qu'avec mon beau mur, oui, c'est ça, faut que je le tue, le monsieur. Tu veux que je te le bouge? Non, non, je peux le bouger avec sérieux. Non, mais t'inquiète pas, ça va. Normalement, je vais réussir à tuer un sbire. Regarde. Ça fait un peu mal. Le mec, il approuve la douleur. Parfait. Je l'ai même entendu hurler comme une salope. Faut que j'avance encore. Elle compte dans les amis. Ah, elle compte dans les amis, l'autre. Sophia, Zinlen, tirailleuse, tirailleuse. Allez, ouvre tes couilles, tirailleuse. Salut. A plus tard, les connards. J'en ai trouvé un. Tu sais ce qu'on dit quand on en trouve un, hein, c'est qu'on en trouve plein. Ne te colle pas trop histoire qu'ils aillent à ton cac. Mais en fait... Oh, ok, d'accord. En fait... Ah, je peux en avoir qu'un, putain. Ah, si seulement j'avais la course. Décale, si tu peux te décaler. Je peux pas me décaler, j'avais plus rien, plus de mouvement. Ah. Ok. Mais c'est pas grave, moi je suis engagé au cac, ça me va très bien. Quand lui jouera, il mourra, hein, terminé. Chiant. C'est pas de problème non plus. Un des deux qui va jouer. Oui, bah écoute, ça arrive. Après, j'ai une armure, hein. C'est aussi étudié pour ça. Oh, le mec joue comme un PJ! Impressionnant. Ouais. Il joue mieux que Zinlen d'ailleurs. Hein, en fait, c'est Denal qui joue à sa place tellement il joue mal. Waouh! Il y en a un qui vient de prendre cher en haut. Ça va, ça va. Ça se passe bien. Faut pas le prendre comme ça. Moi, je trouve que tout va bien. Est-ce que t'as des choses à dire, t'as des arguments, t'as des... Un jour je ferai des critiques, ils seront intéressants. Non, je pense pas, non. Ça serait rigolo ça. Mais non, ça n'arrivera pas. Ce serait bien un jour qu'on monte toutes les compétences de nos sbires, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais un jour ça pourrait être pas mal. Il y en a deux, il y a Osdebard. Ah non, Osdebard est loin. Osdebard est loin. Ah, quoique, Osdebard est pas très loin pour taper les deux là. Les deux qui sont là. Ouais, après t'as Stevie. T'es sûr de vouloir jouer Stevie? En fait, j'ai envie de placer Stevie à côté pour parce que au cas où il y aurait quelqu'un d'autre qui viendrait taper. Ouais. Donc poser une zone puisqu'on a du point. Que c'est le seul qu'on a qui zone ici dans le coin. Ensuite, parce qu'il file un renfort à son officier supérieur et préféré. La Miricori. Et je vais placer. Allez, faut pas se ridiculiser. Comme ça, normalement, ça passe. Ça tient, ils ont tous des socles assez larges. Ok, il y a un rat qui a joué. C'est officiel. On ne sait pas où, ni quand, ni comment, ni pourquoi. Je jouerais bien Will. Will. Comme ceci. Pour donner l'ordre sur Mélanine. Je crois qu'on va avoir besoin d'un couteau. Je pousse ce truc là, je fais un peu de place là, t'as vu? Ouais, cool. Je pose une zone parce que vraiment, aucune pitié. Et alors là, tu vas pouvoir nous faire des kills en série. Ouais, le problème c'est que voilà, il a le temps de me taper parce que la torche est trop loin. Ouais. Hein? Ça, je crois que Zinlen a tiré un truc. Oh, le capitaine qui est encerclé, hein. Ouais. Mais par contre, il y a alors que le capitaine, il est là comme ça. Abattez-les, les golasses! Mais non, celui-là, je peux faire un crit, je suis sûr. Attends. Moi, je vois un os de barde avec une zone de 4 personnes. Ouais, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord, je me fais les 4. Youpi. Coucou. Capitaine, serrez les dents. Quoi? Alors, si on veut esquiver le capitaine, on peut. Hein, parce que là, officiellement, je tue le capitaine. Il va falloir... alors, faut calculer. Il faudrait que je recule de 1 tick. Si je touche le capitaine, tant pis, il meurt. Non, c'est bon. Le capitaine qui voit la masse frôler ses oreilles. Le capitaine voit un peu sa vie défiler, mais ça va. Trois fois d'affilée. Ça va, qu'heureusement, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans sa vie.
Si. Le prochain qui va jouer. Puis-je jouer. Ah non. Non, non, je voudrais jouer. Non. Bah, pourquoi? Okay, parce vas-y. Que j'aimerais bien jouer Taurus, puisqu'il y a un rat qui va bouger dans ta zone de tir. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'on en pense? Genre moi je viens là, je vais voir mes petits potes les archers. Je fais coucou la famille, ça va bien. Avec qui je suis papote, tirailleuse, coucou. Tu veux voir ma bite? Ceci dit, je peux tuer... Non, je vais te laisser buter le rat. Moi je vais faire ça. Ouais, ouais. Ça, je vais attirer le rat sur nous. Je vais juste lui mettre un petit coup de hache tranquille. Mais tranquille, hein, pas plus, hein, genre comme ça, juste... Voilà, juste tranquille, le type, hein. Voilà, type t'avais un os à cet endroit-là, mais c'était avant. Hop là. Et regarde, et j'agroule le rat comme ça. Alors, alors. Salut le rat. Viens ici, bébou. Blu. Ce qui prend le capitaine dans la gueule. C'est désespérant. Mais alors qu'il est vraiment là en train de dire... franchement, il voit son ourou qui court avec la torche. Il sent qu'il y a un truc qui se passe. Voilà. Il appelle les Golas de toutes ses forces. Et les Golas, c'est un truc... Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Allô? Je suis un âne, je suis pas un âne, j'entends rien, moi. Voilà, il y a de la charcuterie. Hein. Il y a de la charcuterie. Hein. Alors, il y a un kebab. Ah oui. Ah, c'est crunchy. Hein. J'étais obligé de la faire celle-là. Ah oui, 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 ah oui, bah oui. Petit kebab parisien, hein, à base de viande de rat, bien sûr, hein, bien connu, le célèbre. Hein. C'était un rat burger pour ceux qui ont la ref. Ah ouais, putain. Après, on dit ça. Hein. Mais ça se trouve que c'est très bon à manger, là. Hein. Bon, d'ailleurs, techniquement, nous, parisiens, on dit que ça se mange. Bah, si on n'a pas d'autres habitants temporairement, j'aurais bien joué ma vigue. Vas-y, vas-y. Pour aller se positionner, voilà, comme ça, tranquillement. Mettre un petit coup de masse sur ce truc-là. Ça, t'es libre. Un petit 66. T'es libre, voilà. Y'a rien de plus à faire. Oups. Wait, what? Pourquoi mon perso s'est déplacé? Ah non, d'accord, c'est un bug. Non, c'est le leur, hein. C'est... il est pas à toi le gars. Moi j'aimerais bien avoir une armée de zombies jouable. Hein. T'en as bientôt une, arrête. En vrai, avoue que vu le jeu, t'aimerais bien pouvoir commencer avec un petit nécromancien et ses trois sbires comme ça. Ce serait trop drôle. Ça pourrait être drôle, ouais. Ça pourrait être drôle. Bah, tu jouerais Healer sur tes trois cadavres amochés. Voilà. Ce qui est faisable dans Heroic Chaos. Mais en fait, c'était lui Legolas depuis le début. C'est lui qui tire très loin. Tout le monde a joué chez toi là? Bah, il reste plus que Tirailleuse. Alors, si jamais Tirailleuse peut quand même soigner son capitaine avant qu'il tombe dans du négatif, par exemple. Ouais, comme ça. D'ailleurs, ça peut être un bon moyen de devenir ami avec son capitaine préféré. Ouais. Parce que si c'est pas lui son capitaine préféré, je t'annonce, c'est Will. Hein. C'est pas une bonne nouvelle pour Zinlen. Tirailleuse et Taurus. Oh là là, incroyable. Taurus, il est vraiment pote avec tout le monde, c'est un peu le nouveau capitaine. Enfin, c'est le général. Hein. Non, non, c'est le cuistot. c'est encore mieux. C'est vous le êtes capitaine à bord? Non, non. Vous êtes boucalier à bord? Vous êtes le maître des gabiers? Non. Vous êtes le second du capitaine? Non. Mais alors, qui êtes-vous? Le maître coq. Oh. Je voudrais bien un peu de huile sur Sophia, mais après... sur Mélanie. Putain, c'est encore Mélanie qui prend tout. Merde. C'est vrai que Sophia n'a rien fait, elle est isolée dans un coin. Oui, bien sûr, bougez pas, je vous donne ça tout de suite. Alors, je vous débarrasse de ça. C'est très généreux. Ensuite, je vous heal de ça. Ensuite, je vous passe devant. Quitte à vous enfermer un peu. Oui, parce qu'il reste encore des gens là-dedans. Et donc je vais placer une zone de lance comme ça. Je vais placer une deuxième zone de lance par là, après avoir soigné Melanine, qui est repassée au-dessus de la moitié. Yeah! Ils sont efficaces ces petits lanciers, hein, quand ils le veulent. Ouais. Et on va pointer ça vers le vide obscur. Voilà. Qui a généré 2 points. Il y a un rat qui a joué. Je vais quand même éclairer devant les deux offs. Je vais tenter le diable en amenant ma vigue devant un officier pour avoir une torche par là. Mm-hmm. Mais bon, à première vue, il n'y a plus rien par ici. Je laisse couler le tour. Ah bah non, oh, c'est Sophia qui est venue se faire chercher derrière la troisième corde.
Elle était hors ring, y'a quelqu'un qui est venu la chercher en loose. C'est les spectateurs qui ont envie de participer. Putain, les spectateurs qui se font chier, au secours. Bah écoute... Ils veulent se faire rembourser leur vidéo. Elle est trop longue. Attention, à la fin de ce combat, c'est fini YouTube. Hein. Je sais pas, je bute le truc. Oh bah oui, c'est comme tu le sens-tu. Hein. Sinon, t'attends de voir si le deuxième y joue, tu te ramènes, tu soignes ton capitaine, tu fais ce que tu veux. Ou tu cours à l'assaut, quoi. Tu fais ce que tu veux, hein. Avec tes cheveux. Bon, y'a rien. Y'a rien d'intéressant. T'as claqué vraiment une course pour rien. Des tests. Ouais. C'est des tests. Tout le monde te hait. Je sais. Le capitaine. Non, ça c'est Taurus. Ça c'est le chef. Ça c'est le chef. Ah ouais, c'est l'autre chef. Le capitaine. C'est le chef de tous les cerveaux. Ouais, ouais, je vais aller mettre un capitaine. Hein. Non, je vais mettre plutôt un Taurus parce que Taurus a encore de l'armure. Ouais. Jugé pour mettre du Taurus. Taurus, explique-lui sa vie. C'était très mou, Taurus. Ouais, bah il a claqué sa première attaque sur un truc à 5 PV. C'est un peu moins mou, Taurus. Galvanisation. J'ai trouvé des rats. Oh, The Bard. Non, c'est la place de The Bard là. Arrête. Oui, mais il y a un rat qui va jouer. Oui, donc, bah il y a encore joué. Mais non. Oh là là, il regarde pas le temps. Oh, mais je voulais mettre un petit coup de torche vite fait. Bah vas-y, mets-le ton coup de torche. Non, parce que Os The Bard, tu le trouves faible. Vas-y. C'est bon, j'ai compris. Toi qui dis qu'Os The Bard est faible. Est-ce qu'on peut utiliser les talents d'un gros? Merci. Que je trouve ton os de barbe faible. Il a pas encore tapé. Retape. Non mais en vrai, depuis que j'ai enlevé la ceinture, il est plus fort. Non bon, là je tape sur des rats. Non mais je tape sur des rats. Mais en vrai, cette ceinture était vraiment un chier. C'était un piège. Hein. Oui. C'est comme je te disais, bah sur Sophia, hein, vu que tu mets des super critiques ou sur Zinlen, tu mets des super critiques, je te laisse que ton attaque. Ah, sur Zinlen, en vrai, ça pourrait être utile. Deux. La ceinture qui t'utilise. Ah bah non, parce que toi, c'est ta compétence qui te permet de poser une zone. Bah oui. Ouais, donc non, c'est de la merde. Non, c'est vraiment de la merde définitive. Hein. Je pourrais envoyer courir le gros. Et imagine, Sophia n'a plus l'opportunité de faire ses courses, de faire ses coups dans mais le non, dos. Non, mais c'est ça, n'importe quel personnage. Tu t'enlèves ça à n'importe qui, tout le monde se fait chier. Bah si tu veux ramener, Edenal dans la zone pour générer du point en attendant que... Ouais. Par exemple, je sais pas... Edenal, va te faire des potes. Non. Fais-toi des potes. Tyrarius, elle a joué ou pas? Non. Elle peut passer. Elle peut soigner son capitaine? Oui, elle peut soigner son capitaine. Et passer. Ah bah voilà le dernier! On verra. C'est l'avant-dernier. Non, c'est le dernier. C'est l'avant-dernier. Il y en a encore un qui joue après qu'on n'a pas vu. Non, c'est une illusion d'optique. Un critique ? Merci ! Tu peux poser. Ce qui est dommage, je la pose où ? Bah là, dans cet axe-là. Parce que potentiellement, il est là, le dernier. Hein. Ok. On a les points pour, on pose une zone. Voilà. Bah voilà. Bon pré-shot ! Bon pré-shot ! Bah de rien. Hein. C'est qu'il. Et on dit au revoir à YouTube ! Oh là 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 ! On va leur dire au revoir comme ça, Zinedine. Oh, vraiment. Comme ça, au revoir. Oh, on a presque de quoi faire deux armures, oh là là. Oh on va sortir de là. Ah, attends, on a fait une petite voix, là. Préservation. Ah, oh. C'est quoi, préservation? Ah oui, mais attends, je sais pas, préservation. On a débloqué. Ah, et il y avait pas dynamiteur. Que ça. Dynamiteur, lancer 10 bombes. Mais j'ai pas lancé de bombes. Je crois que les torches comptent comme des bombes. Ah, oui, c'est possible. Ah oui, c'est une main gauche. Il faut sélectionner un érudit pour entrer dans ce bâtiment. Allez, on lui offre à YouTube, c'est sa gloire, ils sont venus pour ça. Hein. Alors, un peu sont on peut leur faire un épisode un peu long. Oui, c'est quoi les formats, s'il te plaît ? C'est parti, le premier c'est du. Alors, le rouge c'est le sablier. C'est lequel le rouge ? Droite. Attends, je peux peut-être cliquer moi. Non, je peux pas cliquer. Sablier. Au centre c'est le carré avec la foudre dedans. Voilà, celui-là. Bon, c'est celui-là. Et à gauche, c'est la Triforce, c'est triangle into triangle inversé.
Ok. Voilà. C'est bon, j'ai. T'es un stremon, mec. Wouh! Allez! On se la rentre dedans? Let's go. Ouais. Baston! 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 Oh non! Déception! Je peux pas toucher à cette fontaine, c'est une déception. Si tu oui, y a un petit pot là. Petite statuette en ivoire aux yeux de rubis. Chaque fois que cette unité tue un ennemi, elle génère un moral de plus. Ah, ça par contre, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais c'est forcément sur un de tes couteliers, un zinlen ou un machin. C'est vrai. Mais tu voudras pas sacrifier les bonus qu'ils ont. Par contre, moi j'ai un gros. J'ai un gros, je crois qu'il a de la merde à la ceinture. Ah non, il a son miroir qui aveugle les gens. Attends, j'ai peut-être un truc qui peut intéresser ton gros. Oui, c'est-à-dire. Il va encore me refourguer de merde. Oui, tiens. Moins un de mouvement. Culé, ouais. C'est pas la meilleure des idées. C'est pas trop mal. Hein. Je perds encore du move, mais c'est pas mal. Après, je peux prendre le. Ça. Je peux prendre le truc qu'on vient de trouver sur une mélanine parce qu'elle avait un antidote, un flacon de poison. Oui. Il n'est pas utile pour le moment. Tout à fait. J'ai le petit miroir encore sur moi si jamais. Tiens, je vais le poser hop, par là. Voilà. Hop. On attend de Shinai. Hop, retour au campement. C'était. Oh là là, trop tard. Deux gemmes scintillent dans les yeux du monstre. Les prendre semble si facile. Qu'en penses-tu? Bon, on peut les prendre les deux hein, si tu veux. Bah vas-y. Hein. J'ai eu un saphir, t'as eu quoi? Un rubis. D'accord. Ça se trouve, c'est des choses maudites! Mais non. Ah bah on a fait le tour. Ouais, on est revenu à l'entrée. Attends, y'avait pas un coffre quelque part? Si, juste là, au pied de la statue. Tu viens de... Non, un coffre... Ah bah, ok, bon, on a déjà tout. On a tout? Bah, je vois pas ce qu'on aurait loupé, on a loupé un accès. C'est pas... Bah, attends de me dire, sinon pour faire une balade, hein. Il nous reste de la torche. Ouais, il nous reste de la torche, on peut refaire une balade. Mais ça me... Pourquoi j'ai l'impression qu'on a loupé un truc? On a récupéré le symbole de ville. Ouais, on a les trois codex. Ouais. On a les trois codex, on a récupéré. Non, le c'est bon, j'ai loot, tout. J'ai entre tout. Guillemets. J'ai tout. Donc c'est emprunté la sortie. La sortie, je crois que c'est par là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Parfait. Mais bon, on peut sortir 10. Voilà. This is where we part ways, mercenaries. J'avais presque oublié qu'elle était là, elle. Thank you for helping me look for my friends. Though I wish we'd found them alive. T'es sûr? C'est dommage pour toi. This present will help you in your adventures. Et ce présent vous y aider. Des poinçons par trois. Ça a l'air d'être un truc de meurtrier, ça. Je gagne également un truc... d'influence quand on gagne de l'expérience de métier. Pardon. C'est, c'est trop bien ça. Là, je te les ai mis en haut. Attends, moi je vais regarder si j'ai des gens qui n'ont rien. Hein. Zinlen, t'as rien. Bah écoute, tu vas en équiper un. Hein. Ah moi, mon capitaine n'est pas équipé. Ah oui, mon capitaine n'est pas. Si, c'est le forgeron. C'est le forgeron, ouais. Je peux t'en piquer un là pour le forgeron. vas-y. Je pense qu'à un moment donné, il va finir par servir ce con. Osdebard n'a rien. Osdebard, c'est notre mineur. Ouais, bah vas-y, merde. Voilà. Will, il est déjà équipé de quoi attraper, de quoi pêcher. Stivion, il a quoi? Ah, il gagne 10% d'XP de métier supplémentaire. Ah, il apprend vite. Et Mavic est notre bard. Ah, j'aurais peut-être pu mettre ça sur mon bard aussi. Bah vas-y. Parce que c'est pas Os de Bard qui est au max? Non, peut-être. Si. Qui est au max? Normalement, on a deux qui sont maîtres. Edena, les maîtres. Ah, c'est Taurus est grand master, bien sûr. Edena, les maîtres. Oh, on va bientôt passer maître avec mon érudit aussi. Ok. Moi, j'ai gardé ça sur mon forge LOL. On a gagné donc une nouvelle clay. C'est bien ça. Ouais, en attente de Knarfang. Tac, tac, tac. Oui, je suis en train de ranger un peu l'inventaire. Ah, bah non. Si je te montre la tête de l'inventaire, tu pèterais un plomb. Est-ce qu'on dit au revoir à YouTube? Non, attends, déjà on sort de là, on va au campement, voilà, attends, on fait quelques petites bricoles vite fait. Tu peux pas les désosser les miroirs et tout, toi, sinon?
Si, je peux. Ah ok, d'accord. Tu veux que je désosse? Moi je vois pas l'utilité de garder le machin. Je te rends une torche parce que j'en ai vraiment pas besoin des torches. C'est vraiment un truc qui me sert à rien. Okay. Je vais rééquiper en bouclier tous mes connards. Vas-y. À commencer par le capitaine. Votre bouclier, mon capitaine. La torche, ça donne de la vision. Ça donne... Ah, ça donne du critique la torche en main. Oui. Bah tiens, je vais ça pour tes sbiriotes. Mavig. Tu prends un gros shield. Je te remets une autre torche. Hop. Ça va aller mieux maintenant avec un gros bouclier. Et bon bah Totorus on sait jamais hein. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui j'ai encore des grenades Totorus. Encore s'amuser avec des grenades. Voilà. Merde. Et trop gestion des codex. Ça c'est à vendre, ça sera à vendre aussi, ça c'est à cuisiner, ça au secours, un bordel pas possible. Est-ce que ce monde est sérieux? Tout ça tout ça. Et on peut pousser encore un petit peu cet épisode. Voilà, vous avez réussi le déchiffrage d'un codex, voilà. Parce que vu qu'on peut leur en faire qu'un, on va leur faire un gros épisode. L'épicentre de ce phénomène est sans conteste Tiltren. Depuis qu'Erkest a dessiné la ville, personne n'a osé y bouger une pierre. On croirait les lieux figés dans le temps. Ok. Oh, attends. On déchiffre des trucs. Oui, je suis en train de voir qu'il y a l'hameçon de pêche expert que tu m'as jamais fait. Normal, on n'a pas d'appât. Ah, on en a pas. Je peux te lire les codex si tu veux. Cette nuit, je fus tiré de mon sommeil par un vacarme qui faisait trembler mes fenêtres. En me rendant au jardin, je vis que l'on tirait dans la cité des feux d'artifice. Le spectacle ainsi offert compensa en partie la contrariété d'un réveil brutal. Et le premier chapitre... Ok, j'ai bugué vite fait. Ah, le premier chapitre de la bâtisseuse. Je me suis endormi à Canop et réveillé à Siegfried. Mais les villes se ressemblaient tant que j'ai cru ne jamais être sorti du port. C'était pitié de voir les jeunes bâtisseurs copier le travail d'Erkest. D'accord. Ok, en fait, c'est juste des détails sur le lore. Dans deux repos, on débloque la masse. D'accord. Je t'ai imposé la recherche sans te demander ton avis. Hein. Je te présente mes excuses. Pas de souci. J'imagine que t'allais chercher les armures. Non. L'écu. Non. Je sais pas alors. C'est pour toi. C'est pas pour moi. C'est pour moi. Le mannequin. Ah. Parce que 6% d'expérience c'est vraiment de la merde, alors que 20% c'est quand même. Oui. Là en termes de retard de niveau et dont on a un lancier qui sert à rien actuellement, ça commence à devenir. Voilà. Parce que ce connard n'a toujours pas passé son niveau, hein. Je vous noterai. Le Stevian, malgré tous les combats, les machins, il est pas loin, hein. Il est à 3163, mais bon, à coup de 6% d'XP, on n'est pas arrivé. Hein. Voilà, c'est fait. Ok, nice. Alors, parce que j'ai vu qu'on avait les ressources pour le faire. Oui, excellent. On a. Et bah là au moins ce sera potable ou rentable. Par contre, il est à l'envers ce mannequin, non? Il est à l'envers ce mannequin. Il va falloir qu'on aille chercher du bois. Tu peux pas rotater mon ami. Il va falloir qu'on aille chercher du bois. Ah, voilà. Ou alors, ce que je peux faire. Oh attends, je peux faire un truc. Je peux faire une dingue. C'est-à-dire? Ouais. J'ai récupéré quelques ressources. Ok, c'est bon pour moi. On peut y aller. C'est sur la place de l'agglomérat ici. Okay. N'oublie jamais que t'as 5 grés cachés là-dedans. Oui, je sais. Ok.
Eh bien, moi je propose de... On doit pas leur casser le cul à eux, là? Ah, oh, si, peut-être. Ah, t'as non, le temps qu'on leur casse le cul ou pas? Oui, j'ai le temps. Allez, let's go, c'est pour YouTube. Il est que 11h20. Exploring the ruins was supposed to be child's play. But we got lost before we even got there. We've been waiting to be rescued for days. Ah. We are exhausted. We do not have enough food to turn back, nor any pittance to make it home. We beg you, please don't leave. Vas-y. Moi je propose de leur donner... On leur donne un piton? On va leur donner un monté piton, vas-y. Ah mais non, je peux leur donner de la viande, on en a. Ouais, vas-y si tu veux. Fais ce que tu veux, hein. C'est toi qui as toutes les ressources, moi je peux rien faire. Oui, on a 50 viandes séchées, prendre en 3, ça fera moins de viande, il sera content le chinois, ça fera genre on a moins de bouffe. Alors, c'est pas des viandes séchées, hein, c'était du gibier que tu leur as donné. Non, c'est viande séchée. Sérieux? Moi je voyais gibier. Eh, y'a de quoi tomber un piton? Ah, je savais que t'allais le faire. Bon, évidemment que j'allais le faire. Ça t'étonne même pas. Non. Oh, y'a une couscous ici, je te laisse la prendre. C'est ta couscous. C'est pas la je mienne. Crois que c'est le bord de la map. Ouais, moi j'aimerais bien voir s'ils ont repoussé la map justement. Non, bah ils ont pas repoussé la map. Pas encore. Attends, il y a une mine. Oui, ici, non, il y a le puits, le fameux, entrée de la source. Attends, il y a des ressources sur le déco là. Et un point de connaissance, yes. Yeah. Il y a une couscous par là. On va régler ce problème de source là. Vas-y. Bonjour. Oh, il y a un cochon par terre. Cette bête dégage une odeur putride. Prendre la carcasse. Non. J'ai pris un porc. Y'a rien à looter chez vous, les gars, là? Tristitude. Sad. Bon, il faut leur parler, je suppose. Ah, bonjour, monsieur. What business have you here, mercenaries? Never mind. How would you like to poison a well? Vanalis is down to his last well. You won't get another chance. And we'll make it worth your while, believe me. Là, Ert, c'est pas un bâtard, lui, d'ailleurs? C'est pas un connard? Nous, je sais pas quel camp on a commencé à choisir. Je sais qu'on a pris une... Vous avez aidé l'abbé Théocède à nourrir les soldats de Vernalis. Ah, donc on a aidé Vernalis. Et là, on s'apprête à lui pourrir son château. Mais non, là, moi, je vais lui pourrir sa gueule. Ah, bon, vas-y. Bah attends, empoisonner des gens en lâche, ils ont tué un cochon pour ça, ces bâtards. Ok. C'était mon cochon. Sabotage, c'est indigne. Cassez la gueule, des niveau 8, on va vous roaster, là. Ils sont très nombreux, par contre. Ils étaient 3, il y a 30 secondes. Ouais, ils étaient 4. 5, 12. J'ai pas vu les autres, mais... 22, ils sont 15. Je pense que c'est parce qu'il y en a qui a une armure lourde, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Oh là 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 là, je viens de voir une zone pour ce de barde. Oh ya ya. Oh ya ya. Pardon. Alors, laquelle? Parce que... Il y en a deux compacts, hein, quand même, hein. Il y en a un groupe de 5 et un groupe de 4. Ouais, mais là, ici, il est bien dégagé aussi, ouais, c'est ça, hein. Ce que j'allais dire, là où il y a ma vigue, il y a un petit strike à rentrer, hein. Bah, le strike à rentrer, là, je vais mettre un Zinlen, en vrai. Attends, il y a un pack central par contre, moi je vais juste isoler Os de Bard. Attends, je vais ramener Os de Bard, hein. Je vais taper dans ce tas là. Hein. Je suiciderai Os de Bard tout seul dans un coin. Hein. Je vérifie, bah non. Je vais faire barrage de mon corps là. Bon, les archers c'est des sapeurs, hein. Attaque d'opportunité comme Zinlen. Alors, on a leur chef Erendre, soldat de la Herte, qui est juste à côté d'Os de Bard là, tout ça. Il va pas je vais caler mon mur en plein centre à la place de. Tirailleuse. Parfait, c'est ce que je voulais. Et puis idéalement. Alors je peux le laisser vers l'arrière si tu veux, Taurus, hein, y a pas trop de soucis. Je vais te rapprocher d'Enal si tu veux tirer. En plus, tu seras juste devant Totorus. Ouais, par contre, je cherche Sophia. Sophia, elle a la torche, ok. Mélanine. J'ai Stevie en par là. Zinlen, c'est bon. Est-ce que je peux changer la position du lieutenant Will et de Mélanine, s'il te plaît? Oh oui, bien sûr, pas de soucis. Non, même pas. Attends, on va faire comme ça, comme ça. Comme ça, Sophia, elle va pouvoir aller chercher le sapeur qui est tout en bas. Ok, ça me va. Ou alors non. Non, en fait, Sophia, elle va aller chercher les deux archers qui sont là-bas.
Peut-être je trouve ça ouais, plus sympa que t'aies deux couteliers disponibles en mode fou du roi sur les côtés, tu vois, qui peuvent courir. Ouais, par contre, deux lanciers sur les extrémités, on n'est pas trop mal. Même d'ailleurs, Mélanine, si elle veut courir, je vais mettre Taurus à sa place. Comme ça, ouais, elle pourra courir et Taurus sera déjà bien plus centré. Ah oui, bah là, Taurus, il a déjà tout le monde. Vas-y. Ah, ça c'est fait. Soit tu fais Taurus avant. Lequel joue d'ailleurs ? C'est un sapeur qui joue. Ouais. Je vais jouer le capitaine parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 personnes. Vas-y, joue. 5 personnes et je peux aller embrouiller un connard pour le fixer au close. Vas-y. Je sais pas si je suis meilleur. Je suis pas meilleur ami avec Edenal. Hein. Voilà. Je vais aller fixer ce con au close. Mm-hmm. Ah, le retour du fameux bouclier. Il casse des mamans. Disons qu'il dépanne, quoi. C'est sympa. Ouais, il dépanne. Alors, le sapeur, du feu, des flammes. Ah non ! Des merdes. De la merde. Ça fera quand même... Bah, il y a un... Qu'est-ce qu'il joue, là ? C'est l'autre sapeur qui joue. Je vais jouer Taurus. Vas-y. Taurus n'est pas ami avec qui ? Ouais, avec Zinlen à un moment donné. Je crois qu'il est pas ami avec Zinlen. Je sais pas. Oh ! Quoi ? Oh ! Attendez, les petites blagues de Taurus, le retour. Je suis sûr que ça vous avait méga manqué. Oh putain, les petites blagues de Taurus. Et... T'as kiffé la petite blague de Toto ? Ouais. Eh, c'est la blague à Toto. Ouais, par contre, j'espère que ça t'a pas bouffé ton si, passif. Si, ça me l'a bouffé, mais je m'en fous. Ah non, ah, visiblement non. J'ai laissé une ouverture pour le gros, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais. Je vais me redécaler pour permettre à Edenal de venir se caler contre moi, donc je me place plein mid. Wow. Même si ça aurait été intéressant que ouais, genre je reste comme ça plein mine. J'aurais pu embrouiller quelqu'un en fait. La petite blague de Taurus. T'inquiète, je vais lui faire sauter sa zone à l'autre connard. Qui joue ? Là c'est un archer qui est loin. Un archer. Ah ouais d'accord, c'est vraiment tous les archers qui jouent d'abord. C'est pas grave, je vais déplacer Os de Bard en mode pas les couilles frère. Oui vas-y, amuse-toi bien. Hein. Voilà. Ça c'est une armure mon gars. Ça s'appelle une armure, connard. Massage des côtes, hein. Eh b. Waouh. Voilà. À première vue, je peux achever celui-là. Voilà. Okay, il a mis un critique sur ces attaques-là, en fait. Ça, c'est cool. Sur ces attaques secondaires, là. Il crit très très fort. Ouais, il crit sale, hein. Regarde, et hop, il va te présenter son dos, puisque, hop, l'engagé nous rembourse un point. Voilà. Bah du coup, je sais pas trop où mettre la zone avec Zinlen, en fait. Là, pour deux, bah tu regardes, à mon avis, ça va dépendre... Bah si, tout le pack en haut à droite, là, ils ont pas joué, hein. Parce que j'ai repoussé, j'ai repoussé l'archer, l'ambassadeur, machin, tout ça, mais ils ont pas joué. Et je t'invite à placer maintenant ton Zinlen. Ouais. Tu peux le placer du côté de mon mur, si tu veux. Je te rappelle, t'as mon mur par là. Peut-être pas dans le coin extrême non plus, mais... Le problème, c'est... Après, c'est toi qui vois, hein. je te laisse gérer. Mm-hmm. Après, t'as déjà la brutalité, donc en soi, c'est un peu comme tu veux. Ouais, je vais quand même le chercher. Vas-y, montre-moi de quoi t'es capable. Tu vois, ce serait intéressant de mettre double critique là. Il a pas le socle pour. Il a le socle pour passer ? Ah, on pose une zone quand même, hein. Oui, c'est pas ça que je me pose comme question. Je vais la mettre comme ça. Dommage, y a pas de critique. Bon, par contre, je peux faire une jolie blague si tu veux. Avec tirailleuse. Ouais. Vas-y. Clairement, vas-y.
je génère un point. Et je repousse le... Baf. Lui, ça fait tomber son armure. Et il sera obligé de repasser par la zone. Et ça le tuera. Par la case prison. Par la case meurs en fait. Meurs s'il te plaît. Et je vais aller me caler là. Comme ça. T'aurais peut-être dû faire d'ailleurs avant, non? Ah non, mais non, parce que du coup, ils vont faire pas la brutalité, c'est bon. J'en ai dit. Non. Eh bien. Ah! Et des dalles? Ouais. Tu pourrais pas repousser un archer qui empêche les autres de jouer? Si, si. Ah. Il a cette possibilité, je crois, de repousser celui-là, même si c'est pas sa cible définitive. Ouais, j'ai un léger souci néanmoins à cause de ça. Qui est? J'ai 53% de chance de toucher Mélanine. Mais tu utilises... Ah oui, merde, tu peux pas. Mm-hmm. Ouais, non, tu peux pas. Bah attends, je vais jouer un lieutenant dans ces cas-là. Eux, qu'est-ce qu'ils jouent après? Un gars là, ok. Bah, je vais jouer Stevie, hein. Je vais commencer à molester là comme ça gentiment poliment ce gars là. Mm-hmm. Voilà. Oh, rien de plus à ajouter, terminé. Et là t'as ton point. Ouais. Ben parfait. Donc tu peux lui faire des trollades. Allez, merci d'avoir joué, dégage. Bon, tu sais quoi, je vais même l'achever, hein. T'es pas ami avec Will, du coup, maintenant, toi? Faut se vérifier. Non. Non, ok. Je l'achève? Oui, oui, vas-y, hein. Allez. Et grâce à ça, on aura augmenté ses dégâts de... Et tu peux aller te coller à Totorus 20%. Pour la suite, et puis voilà. Totorus, c'est... ici. Alors, peut-être pas là, tu vas peut-être bloquer des gens qui vont peut-être empêcher des couteliers d'aller massacrer le légionnaire ou des choses comme ça, ouais, voilà. Comme ça. Bon, extrême, hein. Ouais, ouais, clairement. Vas-y. Waouh, merci des dégâts. Merci des dégâts. Ah, il s'est motivé. Elle s'est motivée à donner un coup de bouclier. Je trouve ça mignon. Non, c'est pas une bonne idée, parce que tu vas te prendre un bouclier dans la gueule. Ouais, je regarde un peu ce que je peux faire. Oh, je peux faire ça. Pour... Non, non, ça n'a pas de grand intérêt. Tu veux lui faire quoi? Tu peux le tuer? Bah, je tue ça, et puis déjà, c'est pas mal. Avec un point? Avec un point, ouais, normalement, je peux. Ouais, pourquoi pas. Tac, 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 tac. Ça crit. Si ça avait crit, ça aurait été mieux. Hey, c'est ce que dit Zinlan depuis le début de sa carrière. Ouais, c'est ce que dit Zinlan depuis le début de sa carrière. Ça qui est dommage. Bon, bah là, je vais garder les deux points. Où est-ce que je peux aller pour éviter de faire chier le monde? Bah tu te colles pas, il y a Taurus et Denal. Taurus et Denal, parfait. Petit pack central. Ah, c'est gentil ça. Oh, ils sont deux. Oh, ils sont deux, hein. Moi j'ai compté jusqu'à deux. Hein. Après, ouais. Au-delà, c'est que du plaisir, comme on dit dans le milieu. Par ici. Wouah, quelle critique de folie. Sérieux, je lui ai mis un. Il avait déviation. Oh putain, bah quelle belle déviation, hein, ma gueule, hein. Putain, le... Mais je n'ai pas tout donné encore. En fait, avec la déviation plus. Et la protection, c'est assez violent, en fait. J'ai pas eu Zinlan, mais c'est déjà pas mal. C'est pas grave, vas-y, c'est bien.
Ils ont pas envie de passer par le haut. Bah dis donc, eh. Je sais pas pourquoi, tiens. Bon, il est mort. Ah si, du coup, c'est dommage que t'aies pas visé une LED. Bah ouais, oui. Vas-y. Hein. J'ai que ça à faire, donc je vais aller le coller, commencer à bousiller son armure. Après, l'autre gros va aller taper dessus, voilà, ça va les occuper quoi. Oui. Tabasse. Hop. Bon, c'est vraiment pour lui faire tomber son armure et parce que je génère un point gratuit, ça. Ouais, bon. Ah bah voilà, c'est déjà ça de prix, hein. 30 ouais. Dégâts, ah, c'est quand même la pitié. Hein. Oh le bâtard, il a fait une petite esquive de zone. Ah écoute, t'as personne de plus ou moins engagé. Ah si, je peux aller taper dans le bac du légionnaire. Ouais. Et me barrer derrière. Lequel? Celui-là, là. Il est engagé. Il est sur ma vie, ouais, complètement, ouais. Alors, le petit couteau qui ignore la garde. Petit, hein. Putain, le couteau de compète. Je l'achève? Bah oui, écoute, tant qu'à faire, en plus tu génères un point, donc... Je génère un point pour... J'en consomme un pour en générer un et mettre une attaque sur celui-là. Hein. Ah ouais, vas-y. Ok. Écoute, le gros, il descendra en bas, il tapera sur les autres, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais tiens, je vous présente son bac. Ouh, il est mal, hein. Il est très mal. Le coup de couteau, c'était... Oh, ça galope vers le haut, ça fait des choix. Ça a fait des choix. Mavig et Mélanine ont vu leur vie. Ah, c'est lui qui joue. Je jouerais bien une Sophia, hein. T'en penses quoi? Oui, c'est lui qui joue. Oui, j'étais en train de penser que... après, ce qui aurait été cool, c'est que Will puisse pousser l'autre dans la zone de Zinlane avant qu'il bouge Zinlane. Ça, on gagnera des choses. Et, ah oui, Sophia, en plus, elle est sous boost de protéines. De thermoprotéines. Ce qui fait qu'elle générera 2 points à la mort du mec. Surtout, ne mets pas de critique. Ouais. Pas tout le temps, mais... Ce serait trop tôt. Ça serait trop bien. Ouah, c'est pas comme si elle avait 40% de chance de coup critique. Bon, après, dans le dos, elle en a 100%, hein, quand elle tape une cible dans le dos. Bah, écoute, je vais revenir dans le pack. Ah oui, non, oui. Ça gênerait Will. Non, bah non. Non, ça gêne pas Will. Ah bon? Ok. Mais si tu veux revenir dans le pack, tu reviens dans le pack, y'a pas de soucis. Ouf. Ça gêne pas Will. Ah, je peux jouer Will. Une tirailleuse pour le pousser, gratos, comme ça. Vas-y, si tu veux. Alors, pour être sûr, hein. Tac. Allez, hop. C'était la dernière attaque de Zinlane. Oh, sérieusement. Tu peux encore te décaler pour le pousser sous les combles. Oui, mais il a déjà joué, là, je crois. Il a pas encore joué. Non, on est au début de tour. Oui, mais... Bon, de toute façon, on pourra très probablement tuer avec une lance ou un truc comme ça. Non, là, ce qui pourrait nous intéresser, c'est ce qui peut nous atteindre. Donc là, il faudrait que Mélanine se dégage ou que quelqu'un dégage Mélanine. Peu avec Edenal. J'ai plus de chances de le buter qu'autre chose. Est-ce que ce serait pas plus intéressant avec Zinlane? Comme ça, tu le tues, tu repositionnes ta zone. Pas faux. Ouais. Pas sûr que je le bute, c'est ça le problème. Quoi, t'es avec là les 62 points de vie qu'il a, t'es pas sûr? Je fais entre 26 et 69. Là, alors, en gros, vas-y, je pause, critique. Comme ça tant pis, je le tuerai avec ma vie s'il y a besoin. Bon. Parce que après, le peu de points de vie qui restera, vas-y. Je tente? Oui, vas-y. Bon, c'était vraiment pour me faire chier. Hein. J'avance un match. Positionne comme tu veux, je te remettrai mon mur.
Comme je veux, oui, mais est-ce que là il y a un socle qui passe? C'est la question. Ouais, c'est bon. Moi je pense que comme ça c'est pas mal. C'est acceptable en tout cas. Tout du moins ça en a l'air. Ça en a l'air. Peut-être se débarrasser vite fait de ce type là. Tant qu'à faire. Bonjour. Je le tue pas. C'est vraiment ça. Tu l'aimes bien. Tu l'aimes bien, saignement. Oui, mais je le tue pas. Il lui reste un point de vie officiel. C'est pas grave. On va prendre un autre lieutenant. Non, gaspille pas des gens avec un DPS très utile. Non, mais tu sais quoi, même pas. Je vais pas prendre un lieutenant. Je vais prendre une ma vie. Voilà, je prends les gens qui ont pas de dégâts. Voilà. Boum boum. Bonjour. Hop là. Du coup, de ouais, elle a buté quelqu'un. Une grande fille. Elle nous a donné la galvanisation. Oui, c'est vrai. Elle gère. Bonjour toi. Ah, oh, le groupe de 4 qui fait rien. Quoi? Vous voulez que je fasse une trollade? Une trollade? Regardez une trollade. Ah non, attends, pas tout de suite une trollade, pas tout de suite. Je peux déplacer Will. Ouais, mais même avec Will je peux faire des trollades. Merde, même avec Will je peux arriver, je fais coucou. Tu peux le faire reculer, ouais. Ah, ils ont 30% d'armure! Joli le critique. C'était ma trollade. Comme ça, j'incite l'autre connard de lancier à remonter vers moi, là. Oh, tu lui as rien fait. Normal. Aïe, j'ai eu mal. Déviation et protection. Réduction de 100% du dégât. Oh, ça se soigne! Non, non, ça lui a posé une déviation. Et ça l'a soigné. Non, non, il a toujours... Sans foiré. Oui, mais c'est il a rendu ça. 24 points de vie. Moi, je vois un os de barde qui peut aller taper deux personnes. Hein. De manière un peu technique, mais oui, ça peut se faire. Parce qu'il se déplace que de ça, le monsieur. Après, il peut se déplacer de tout ça aussi. En sachant qu'il y a l'autre PD au loin qui a pas encore joué. L'autre PADA. Hmm. Pédestrien. Le truc, c'est... Si je m'approche d'un demi, ça suffit pour l'avoir? Non, ça suffira pas, il faut que je passe vraiment dans le dos. Bon bah allez, un massage de côte, on s'expose comme il faut. Attendrissement de votre viande. Bah, j'aurais pu le tuer si j'avais des points. Mais j'ai pas de points. Hé, je peux faire une trollade, je peux Vas-y. Ça va être très drôle. J'ai excessivement beaucoup trop d'humour. Ah, Taurus et As de Barre et Lieutenant Will sont meilleurs amis, oui, c'est vrai. Je crois que j'ai joué tout méga. Hein. Veuillez vous débrouiller. Bien. Le custo qui est un troll, quoi. C'est trollé aussi, ça? Est-ce que par hasard quelqu'un vient de se placer pour se prendre un double coup de masse là? Je crois que oui. Est-ce qu'on vient de me faire un cadeau de Noël là? C'est trop mignon ça. Non, on continue à taper hein. Continue. Là je suis à la maison, je suis à la mine là. Là je creuse les gars, hein. Je creuse le déficit, tout ça, boum. Sur le coin de la gueule, boum, allez, ça dégage. Hein. Putain, le 121, waouh. En fait, c'est pour ça qu'en fait, il est devenu faible d'un coup. Ses attaques à un coup, elles font toujours hyper mal. Je sors des critiques dessus. Ils font hyper mal. Qu'est-ce que c'est? C'est des épées à deux mains, c'est de la merde, je te laisse récupérer. Les armures lourdes, j'en veux pas, tu peux les prendre. T'as par contre 113, hein, quand même, l'armure lourde. Ouh, bébé, hein. Ça commence à chiffrer. Ouais, le bout de fer, il va là. Et on est bien. On a tout réparé. Ouais.
Bon, t'as tout réparé. Hein. Ouais, inspecter ouais. Cette eau. On peut jeter la carcasse ou... Non, surtout pas. Non. Voilà. Surtout on peut pas. Sortir d'ici. Ah. Hang on, mercenaries. Instant, mercenaire. Je suis Azercia, lieutenant du seigneur Vernalis. Et nous recherchons les saboteurs qui s'attaquent à nos puits. Tout indice pourrait nous intéresser. Bah... Ils sont morts. Tu vas pas me prendre le cochon ? Mon cochon. Voilà. Au revoir, madame. Posons un camp. Tu me permets, j'ai des trucs à désosser. Alors, on est célèbre. Vraiment. Yeah. Station. On a gagné un point de connaissance. Bon, c'est peut-être le moment d'aller faire un tour en forge, non? Ouais, pas faux. Épée à deux mains, hache à deux mains, masse à deux mains, ça n'intéresse personne. Ah oui, mais non, il faut que je garde des points. Il faut que je garde des points. Pourquoi? Bah parce que je suis pas encore allé en forge et que tant que j'aurais pas forgé un truc, je pourrais pas débloquer le set supérieur. Oui. Il restera dissimulé, caché. Mes yeux. Les masses fantômes, tout ça. Attends, on a du cuir fantôme, hein. Je pourrais me faire chier à faire des trucs fantômes juste pour débloquer des points, du stuff et vendre du matos. Hein. Il nous manque un de bois. Si on arrive à trouver un de bois. Oui. 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 On peut débloquer le mannequin niveau 3 qui a l'air légèrement intéressant. Voilà, t'as trouvé un de bois. Ça me fait plaisir. Cool. Regarde le... Je te demande de regarder le oui, mannequin. Oui, c'est bon, ça arrête de m'agresser comme ça, j'arrive. Je t'ordonne, c'est ce que vous avez entendu, YouTube. Moi aussi, hein. Si, je me sens blessé quand même. Hein. Je vais faire que du rat d'égout, il va voir, ça va lui faire la bite. Le coût pour acheter des points d'attributs avec plan de carrière est réduit de 50%. À prendre. Voilà. Et t'as pas vu aussi l'augmentation de 2% de l'XP des compagnons humains hein. De 2% des compagnons humains. Ouais. Ah, j'ai pas lu. T'avais pas vu les compagnons. Ah, ça veut dire que ça monte 2% d'XP de tous les autres. Ouais. Non, t'es sérieux. Oui. Oh, c'est sérieux ça. Oh. Attention, amélioration. Bah non, je le vois pas dessus. Si, vos compagnons humains gagnent 7% d'XP supplémentaire. Au lieu de 5. Ah, en combat, ok, oui, ok, en combat, ouais. Bah 7 au lieu de 6. C'était 6 juste avant. Ah bon, c'était 6 ou pas? Ouais, c'était le premier qui donnait 5. Mmh. Voilà. Bon, plan de carrière réduit de 50%, c'est de l'économie d'influence en vrai. Oui, parce que là, même si on en a beaucoup, maintenant ça mange tellement d'influence de négocier que. Ah, il est toujours pas, vivement qu'il passe un niveau, le con. Bon, bah, je crois qu'on peut abandonner YouTube ici. On a gagné une carcasse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer Ein, Zwei, Drei. Est-ce qu'on peut faire un petit repos pour YouTube? Allez. Parce que moi, j'en consomme que 2, ça fait que je t'en donnerai 3. Je suis à 8, j'en donne 3 à terminer. Ça sera déjà pas mal. C'est ça, t'en as déjà 30. Il y a déjà de quoi faire. Peut-être améliorer un jour aussi les étendoirs, machin, tout le bordel. Tout ce qui va bien, quoi. Tu veux qu'on fasse un repos là? Non, c'est bon. Parce que bon, après, c'est pas loin le prochain repos non plus, mais voilà. Ouais. Pourquoi j'ai encore 3 torches sur moi là? Vous voulez pas des torches, monsieur? J'ai rien à dans 4 repos. Oui. Pas un de on plus, aura. Pas non, pas un de plus, pas un de moins. On aura le. Un trésor ancien. Comme ta masse à deux mains. Ah. Oh. Ah. Ah. C'est quoi ça? Je sais pas. Oh, ah. Excusez-moi, il est où le gros? Gros. Tac, vous tac, tac. Ah oui, c'est exactement la même. Et donc, effectivement, l'inconvénient technique. Putain. C'est terrible, hein. Ma vigue. En fait, je me trimballe vraiment avec une très bonne lance. Bah, littéralement, Stevillon pourrait servir à quelque chose s'il passait un niveau. Et j'ai la même armure que porte actuellement le gros là. L'ours de la bande. pour ma vigue, mais. Bah, elle est niveau 7, ma vigue. Voilà. Ouais, c'est triste. C'est triste. Par contre, pourquoi j'ai encore une rondache qui traîne sur moi? Ah, parce que j'ai l'autre con qui fait. C'est grenade. Il est trop lad.
Ah, vous que t'aimes bien les trollades, ouais. Oh oui, moi je trouve ça drôle. Ah, je récupère un bout de bois pour le prochain repos. Allez hop. Yes, j'en ai récupéré un en désossant les... En faisant le craft, excellent. On a que 27 jours de bouffe, peut-être un jour atteindront... peut-être qu'un jour on réussira à atteindre les 30 jours. Ah, j'ai cru que t'allais dire les 100 jours. Ah, les 100 jours, je pense qu'il va falloir acheter un peu plus de mulets. puis il va falloir consacrer un budget à la bouffe, qui est certes déjà notre premier budget national. Lui tout seul, il consomme la moitié du pognon, le con. C'est vrai? Bah, en vrai, oui, avec tout ce qu'on achète, oui. Ouais, c'est carrément vrai, hein. Je voulais regarder vite fait ce qu'on peut encore faire d'intéressant dans l'atelier. Mais il n'y a pas grand chose en vrai. Hein. Ah, il y a le brancard qui existe. Si, si, dans tes compétences, il y a encore. Dans tes connaissances. Enfin, dans tes trucs, il y a encore. C'est parce que ça a l'air de rien, pareil, on n'a pas sauté dessus non plus. Mais on n'a pas regardé le fait de faire fumer le poisson, c'est peut-être pas inintéressant. C'est plutôt que de faire des plats salés de base et gaspiller mon sel sur des poissons à la con. Ouais. Peut-être que c'est plus intéressant, hors recette, de pouvoir les fumer. En plus, ça te fait récupérer de l'huile de poisson. Peut-être c'est plus intéressant. Enfin bref, on ne sait pas. Puisqu'on l'a pas fait sur le séchoir. Et donc, tant qu'on ne l'aura pas fait, on pourra pas voir non plus ce que fait le dernier niveau. Qui est peut-être très intéressant. Et l'étendoir à peau, le dernier, il produit du sang infecté et un cœur de plus... ouais, ça produira un cœur de plus. Hein. Le dernier étendoir est très intéressant. Ouais. Tu t'augmentes quand même de 50% ta production de cuir. Et je crois que c'était dans ma game d'avant, moi, c'était le brancard qu'il y a sous la marmite. T'as un brancard qui fait que tu as moins de chances de. Je sais plus ce qu'il faisait exactement. Faudra aller voir. Ah, bah c'est con, mais le. Pieux d'empalement de niveau suivant, ça se fait, hein. Générer un peu plus d'influence, parce que pour l'instant on l'exploite pas, parce qu'on trouve qu'il est plutôt merdique, mais ça se trouve qu'au niveau 3 il est rentable, hein. Et on a encore... ah oui, on n'a pas encore découvert le tonneau pour faire l'alcool et tout. Ah ouais... Et on n'a pas pris le fouet, ouais. Le fouet, vous pouvez fouetter vos compagnons afin de les motiver à travailler. Après, je sais pas, ça coûte combien à fabriquer, parce que moi je vois pas les coûts, il me dit juste apprends-le, mais je crois que... En plus, je crois que le foie, tu le trouves, je crois que tu peux la prendre... Ah non, on peut la prendre... Non. On peut que la prendre comme ça, ok. Ah, okay. Chose intéressante, si toi ça t'intéresse, si tu vas dans le Rune et Codex, tu as les chapitres, les codex, tu peux les lire pour ta chaîne YouTube. Ah oui. Si jamais... Ah oui, oui, oui. Voilà. Ok, bah écoute. On verra ça. Donc on a récupéré ville, bâtiment. Eh non, il nous manque un truc là. C'est pas trois runes par ruine. Mais on les a les trois runes. Parce que spectacle, montagne et savoir, c'est dans le précédent. Hein. Oui. Bah oui, mais là on a ville et bâtiment. Il nous manque une rune. Ah mais c'est parce que tu vas l'obtenir en faisant le troisième niveau du codex. C'est ça. En faisant le codex 3, ok, d'accord. C'est ça, c'est ça. Ok, c'est ok, ça. D'accord. Ça marche. Et ben c'est le moment de faire des bisous à ton tube à essai. Bah allez, des bisous ton tube. Des bisous ton tube.